qui sera un nouveau Shein d'été. Donc j'ai passé une dernière petite commande parce qu'il me manquait quelques trucs pour l'été, notamment quelques hauts, des tops comme ça que j'avais acheté, vous savez, sur mon premier haul. Je n'avais acheté que deux pour essayer et ça m'allait, du coup j'ai voulu en recommander. Et du coup je vais vous montrer ça tout de suite dans le petit update. J'ai coupé mes cheveux. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est un grand changement pour moi parce qu'il faut savoir qu'il était jusqu'à là. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je pense que je vais vous faire une petite IGTV ou un petit reel pour vous montrer mon changement capillaire. Du coup, c'est parti pour la suite de la vidéo. Let's go! Donc, j'ai reçu ma commande en environ une semaine. Je l'ai reçue le 5 août, alors que de base c'était écrit sur le site, je crois, le 12 août. Donc j'ai 18 articles, sachant qu'il y a 7 articles, je crois que c'est des accessoires. Je crois qu'il y a 7 articles, c'est des accessoires. Et j'ai aussi acheté un cadeau pour ma soeur et que je lui ai offert, c'était un shirt. Je vous mettrai la photo ici de l'article sur internet, mais du coup je ne peux pas vous le montrer. Le total de la commande, c'était de 114 euros, je crois, sans les promotions, tout plein pot. Et après il y avait le subtotal, donc moins les promotions, on descendait à 59 euros, je crois. Et après avec un code promo, j'en ai eu au final pour 50 euros, donc c'est large et raisonnable. Alors de base, ça coûtait 114 euros, c'est quand même énorme. Il y a le double de la commande qui est enlevé. Du coup, je vais vous montrer les accessoires en premier, comme ça sera fait. Donc, premièrement, j'ai acheté ce petit lot de chouchous. Je vais vous montrer. Vous savez, c'est des chouchous comme ça. Ils sont effet satiné, comme ça. Donc, il y en a 6. Je vais vous montrer les couleurs. Celui-ci. Du coup, il y en a un comme ça, plutôt marron, un rose, un blanc mais crème plutôt, un gris, gris mauve, un noir basique et rose gold un peu, je sais pas trop quoi. Et je crois que j'en ai pour 3 euros les 6. En tout cas, je vous mettrai les photos ici de chaque article qui était sur le site. Et pour les avis, je vous mettrai à côté une photo portée pour que vous voyez après ce que ça donne. Ensuite, j'ai acheté ces bracelets de cheville. Parce que vous savez, c'est dans les ventes flash à 1€ du soir. Et du coup, j'ai vu ça et je trouvais ça plutôt joli. Donc, il y a un petit bracelet de cheville comme ça, bleu, et c'est des coquillages. Et il y en a un autre comme ça, blanc, avec une petite tortue. Donc, lui, il est élastique et lui, il se serre comme ça, là, vous savez. Comme les... Je sais pas comment ça s'appelle. J'ai aussi acheté le lot de ces cales bracelets. Voilà, vous n'allez pas bien voir. Mais je vous mettrai les photos, je vais les prendre en photo pour vous montrer. Ils sont comme ça, là, le quatrième il est un peu parti, je vous mettrai tout pour que vous puissiez voir. Mais le problème c'est qu'ils sont trop grands. Bref, moi celui-là j'ai un hyper faible poignet. Et du coup ils sont trop grands pour moi, je suis d'accord. En fait, que je m'en servais pour brasser de cheville ou un truc comme ça. Mais pour moi ils sont trop grands. Après j'ai également acheté dans les trucs à 1€, c'est 12 paires de créoles. Donc je suis choquée pour le prix de 12 paires de créoles. Il y en a du plus gros au plus petit, donc voilà, j'espère que ça va me faire parce que moi quand je mets des creoles et que c'est pas de l'or ou de la bonne qualité, bah, ça me fait mal aux oreilles les creoles, donc j'aimerais bien, mais pour 1€. Ensuite j'ai racheté cette ceinture parce que je l'avais déjà commandée, vous savez c'est la ceinture élastique qui s'adapte à votre taille en taille unique. Et ma soeur l'a voulu, donc du coup je vais lui offrir. Du coup j'ai repris cette ceinture même si je l'avais déjà. Et bah mon ami change pas, elle est super quoi. Après j'ai aussi acheté ce lot de 3 colliers. Donc je sais pas si vous allez voir bien. Je vous mettrai dans tous les cas une photo. Et j'ai aussi acheté ces boucles d'oreilles. Je vous mettrai une photo parce que je pense que là vous allez rien voir. En fait ce qui est sur ces boucles d'oreilles, il n'y a pas, vous savez, l'attache d'oreille. Elle l'attache à la boucle d'oreille, du coup vous êtes sûr de ne pas le perdre en fait. Et voilà. Du coup c'est tout pour les accessoires. Je vous mettrai en tous les cas les photos pour que vous puissiez mieux voir. Donc on va tout de suite passer aux habits. J'ai acheté beaucoup de hauts. Je crois qu'il n'y a aucun bas d'ailleurs, si, un peut-être. Donc pour commencer, j'ai acheté ce petit top. Parce que j'adore les tops comme ça en été pour ne pas avoir chaud. Du coup, il est vert et il y a des petites fleurs blanches. Donc je vous mettrai porté. Je crois que tous les tops, ils coûtaient 4 ou 5 euros. Hein, et avec le code promo, moi, du coup... Après, j'ai acheté ce petit top. Oh, mais il y a plein de... J'ai acheté ce petit top en couleur lilas et j'ai le même en bleu. Donc, j'ai acheté aussi. Et ce que je vais vous conseiller, c'est que je suis allée chez... Je crois que c'était à La Halle. Et il y avait des... Vous savez, des bandeaux un peu épais
pour tenir au sein, quand vous pouvez pas mettre de soucis justement. Ça, si vous mettez des soucis avec ça, ça va faire archi moche. Du coup, il y avait un autre 2 et là il y a le noir et j'ai le blanc sur moi. Donc vous voyez, ça maintient au sein, ça fait pas une forme trop moche. Donc ça évite de mettre des soucis en été et surtout avec des tops que ça fait moche. Du coup, je crois que je les avais payés 8 € un truc comme ça en solde à la halle. Du coup, ben, de toute façon, il y en a sur tous les sites, il y en a partout, même sur Chine, je pense qu'il y en a. Et je vous conseille pour ceux qui ne se sentent pas à l'aise sans soutif. Même si moi, des fois, j'ai pas de soutif parce que je m'en fous, voilà, mais chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, je vous conseille d'acheter ces petits trucs. C'est plus épais que ça et du coup, ça vous maintient les seins, ça vous fait pas une forme trop moche. Par contre, des fois, on peut voir vos tétons même avec ça parce qu'il n'y a pas de coque ni rien. Du coup, voilà. Après, j'ai acheté, vous savez, j'avais acheté un top comme ça, rouge et noir. Et du coup, j'ai aussi acheté un bleu électrique et eux, ils sont plus longs. Eux, si vous voulez, ils m'arrivent presque en nombril parce qu'ils sont vraiment courts, le lilas et le bleu. Et du coup, je l'ai pris en bleu électrique comme ça, donc c'est exactement les mêmes. Et bah, du coup, je suis sûre qu'il va être super. Après, j'ai acheté comme le top vert, mais en rouge. Donc, il est rouge comme ça. Quand je le regarde comme ça, il est pas droit. Enfin, je sais pas si vous allez voir, mais il est pas droit, donc je sais pas si ça va se voir. Là, il est plus court de ce côté que de ce côté. Je sais pas si ça va se voir quand je vais le porter parce que je l'ai pas porté encore. Mais je sais pas si c'est normal. Ou si c'est peut-être comme ça pour que devant ça cache bien au sein. Je sais pas du tout. Bon, je pense qu'ils sont un peu transparents. Je les ai pas encore essayés. Mais je pense qu'ils sont transparents. Donc si vous mettez pas de top au-dessous, je pense qu'on va voir au sein. Et en tout cas, ils ont l'air trop jolis. Après, j'ai acheté ce chat. Donc il est pas très beau. Mais en fait, j'ai juste acheté parce qu'il était à 1 € le soir et que j'avais plus trop de shirts à ma taille pour traîner ou qu'il était plus trop abîmé. Du coup, j'ai pris ce shirt à 1 € juste pour traîner chez moi. Donc, moins qu'il soit beau ou moche, je s'en bats les couilles. Ensuite, j'ai eu un gros coup de cœur sur le site pour cette robe blanche. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est un peu comme la verte que j'avais pris dans mon premier haul Chine. Elle se referme comme ça. Et là, vous avez une ceinture. Toc, 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 toc. Une ceinture comme ça. Et parce que c'est la ceinture, il est. Là, du coup, vous avez ce truc en plastique et du coup, vous le mettez comme ça et ça fait comme une veste. Bon, on dirait un chiffon, mais je vous la montrerai pas portée et elle est trop trop belle. Elle arrive pile à la bonne taille. Si vous serrez bien avec la ceinture, pas de problème, on va pas vous saigner rien. Vous pouvez même mettre en soutif, je pense. Du coup, elle est comme ça, trop belle. Je crois qu'elle coûtait 21 €, donc c'est l'article le plus cher de cette commande, mais franchement, j'adore, elle est trop belle. Je crois que ça va clairement être ma tenue pour la rentrée. Elle est trop belle. J'étais un petit peu déçue parce que vous savez sur le truc en plastique là de la ceinture et ben là il y a une petite tache noire, je sais pas si vous verrez, mais c'est une toute petite, ça se voit pas, mais ça fout le seum quand même. Mais bon, je vais pas la renvoyer pour ça, hein, c'est bon. Après, alors de base j'ai pas du tout commandé, censé commander des maillots, sauf que des trucs à 1 € j'avais des maillots, donc je me suis dit vas-y j'achète même sur moi, je m'en fiche. J'ai vu cet ensemble de maillots. Donc là c'est un haut normal blanc. Il va savoir sur Chine les hauts normal blancs ils sont à 6 € un truc comme ça. Et vu que là c'était 1 € le maillot, même si le bas je kiffe pas trop avec la pluie et tout. Après je me suis dit vous voyez on s'est jamais porté, ça peut rendre un truc stylax ou je sais pas moi. Du coup j'ai commandé, la culotte elle est comme ça pour ceux qui aiment bien. Je pense qu'il est un peu chancré mais je l'ai pas commandé pour le bas en fait, mais peut-être que ça m'ira bien, je sais pas, faut que j'essaye. Et le haut blanc comme ça basique. Il y a des coques, il y a des trous pour vous l'enlever si vous voulez les enlever. Du coup c'est parfait pour 1 €, je suis en fait. Ensuite j'ai acheté un maillot, mais vraiment mais j'ai honte en plus moche, mais je sais pas, c'était des trucs à 1 € en respiration. J'ai cliqué sur mettre dans le panier et tout. Vous savez ça part hyper vite, genre au bout d'une minute il n'y a rien. Et je me suis retrouvée avec ce maillot, mais je crois pas pourquoi il est là. Et il est vraiment trop moche. Enfin, j'ai baissé sur moi, mais c'est pas du tout mon goût. Après, il y en a qui vont aimer, je juge pas, c'est chacun ses goûts, mais moi j'aime pas. Il est comme ça. Ouais, comme ça. Dans derrière, ça s'en fait, il y a des nœuds comme ça, tout le truc. Et là, il y a ça, je comprends pas. Enfin, je comprends pas, j'aime pas du tout, mais bon. Pour 1 €. En fait, c'est trop cher en Chine parce que à chaque fois, tu dis, t'as fini, tu regardes, tu retrouves un truc, 1 €, 5 €, les soldes et tout. Du coup, au final, t'as 300 €. Et la culotte, elle est comme ça. Donc, je pense que c'est une culotte archi échancrée. Donc, celles qui veulent pas trop comment leur cucu, n'achetez pas ça. Et ça se resserre comme ça, c'est avec des nœuds sur les côtés. Donc, voilà le maillot pour 1 € en base pleine. Mais je sais pas si je le porterai un jour. Mais bon. Donc, voilà, c'est la fin de ce petit haul. J'espère que vous aurez
aimé cette vidéo, aurez aimé, je sais pas comment ça se dit. Enfin, j'espère que vous avez kiffé. De toute façon, moi je suis trop contente. Je suis jamais déçue par la Stitching. Dans tous les cas, mais si vous avez un article que vous aimez pas, il n'y a aucun problème pour les renvoyer. J'en ai déjà fait. Il n'y a vraiment aucun problème. Ils vous envoient au bordereau, c'est gratuit. Vous recevez après une semaine et demie l'argent sur votre compte. Vous pouvez le retirer ou si vous voulez faire une autre commande, ça reste sur votre compte et vous l'ajoutez en fin de commande. Donc franchement, je suis jamais déçue. Si la qualité elle est mauvaise, vous renvoyez. Si vous n'aimez pas, vous renvoyez. Si vous adorez, vous gardez. Et on kiffe quoi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Bisous.